parchemin, c'est bon. De l'encre, c'est bon. De l'encre supplémentaire, c'est bon. Il n'y a plus rien sur la liste? Non, super. Maintenant qu'on a fait la liste de tout ce qu'il faut pour établir une liste, on va pouvoir faire la liste de tout ce que je dois faire avant la fin de la journée. Tu es prêt? Je suis prêt. Numéro 1, faire la liste de tout ce que je dois faire avant la fin de la journée. Oh. Où en est-on, Spike? Voyons voir, nous avons déjà déposé ta cape au pressing, rendu le tableau que tu as emprunté à Jerry Lee, commandé des parchemins et des plumes à la papeterie. Il me semble que nous en avons déjà commandé il y a quelques jours. Il faut croire qu'on en utilise beaucoup ces temps-ci. Eh bien, on a de l'avance sur le programme. Ensuite, des gâteaux. Je n'en avais commandé que 12. Oh, je sais, ma chérie, mais j'en avais un en plus. Alors, je t'en ai mis 13 à la douzaine. Ah, c'est vraiment très gentil. Mais j'ai l'impression que le glaçage du 13e gâteau coule sur celui d'à côté. Non? Oh, oui, c'est vrai. Je dois amener le dessert au pique-nique de tout à l'heure. Et je ne veux pas que l'une de mes amies pense qu'elle a plus de glaçage que les autres. Ah, oui, je comprends très bien. Mais ce n'est rien. Je vais en prendre sur celui-là pour le mettre. J'en ai peut-être enlevé trop. Oups, maintenant ces deux-là en ont plus. Je vais réessayer. Non, ça va pas. Je vais juste en mettre un peu là, ensuite... Non, ça va pas. Là, il en manque juste un peu. Attendez, je vais... Oh, là, il en manque aussi. Et là... Et ici. Parfait. Ah, ça oui, c'est beaucoup mieux. Très bien. Passons au point suivant de notre... Oups. On dirait qu'il va falloir ajouter « Donner un bain au petit dragon » à la liste. Tu es très efficace. Et un peu dégoûtant aussi. Ah, cette fois, on a fini. Presque fini. Vérifier la liste une troisième fois pour être sûr qu'on n'a rien oublié quand on l'a vérifiée la seconde fois. C'est bon. Oh, j'ai tenu la plume bien trop longtemps. Et maintenant, j'ai une crampe. Heureusement que nous n'avons rien à signaler à la princesse Celestia cette semaine. Je ne pourrais pas écrire un mot de plus. Quoi? Nous ne lui avons pas envoyé de lettre cette semaine? Et alors, on aurait dû? Oui! Mais oui! Bien sûr qu'on aurait dû! Je suis censée lui envoyer une lettre toutes les semaines pour lui dire ce que j'apprends sur l'amitié! Pas toutes les deux semaines! Pas tous les 10 jours! Une lettre toutes les semaines! Où est mon calendrier? Où est-il passé? Ben, il est rangé à sa place! De quand date ma dernière lettre? De mardi dernier. Et aujourd'hui, on est... Mardi? Non. Si je ne lui envoie pas de lettre aujourd'hui, je serai... En retard! Qu'est-ce que tu as dit? En retard, Spike! J'aurai du retard! Oh, comment j'ai pu oublier? Moi qui suis toujours si organisée, je ne suis jamais en retard pour rendre mes devoirs. Ça va aller. Tu es une élève très studieuse. Je suis sûre que la princesse te pardonnera si pour une fois tu es un peu en retard. Je ne veux pas prendre ce risque, Spike. Je te rappelle qu'on parle de celle qui gouverne Equestria, de celle qui tient mon destin entre ses mains. Et si elle ne me pardonnait pas? Je crois pas si elle... Imagine qu'elle se mette à penser que je ne prends pas mes études sur l'amitié au sérieux. Pourquoi est-ce qu'elle... qu'elle me renvoie à Canterlot et qu'elle me remette à l'école. Imagine qu'elle me fasse passer un examen pour voir si je prends tout ça au sérieux. Imagine que je le rate. Mais pourquoi tu le raterais? Elle est mon professeur. Et tu sais ce qui arrive aux élèves qui ratent leurs examens? Ils doivent retourner dans la classe inférieure. Mais ça ne lui suffira pas. Elle va me renvoyer à la maternelle. Twilight. Twilight. Hein? C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Personne ne va te renvoyer à la maternelle, voyons. Tu as raison. Je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Parce que je vais résoudre le problème de l'un de mes amis et écrire une lettre à Celestia avant la fin de la journée. Oh. Alors, est-ce que tu as un problème, un souci, une question, une difficulté, grosse ou petite, que je pourrais t'aider à résoudre en toute amitié? Désolée, je vois pas.
Dans ce cas, je pars à la recherche d'un poney qui aurait besoin de mon aide. Oh, ça va mal finir. Tout va bien se passer. Tu as du temps devant toi pour envoyer ta lettre à la princesse Celestia. Il y a forcément un poney qui a besoin d'une amie pour l'aider. Rarity! Ne crains rien, Rarity! Je suis là! Pourquoi moi? Pourquoi? Quand je pense aux choses horribles qui auraient pu se passer aujourd'hui, et c'est la pire de toutes qui m'est arrivée! Que s'est-il passé? Est-ce que ça va? J'ai perdu mon ruban violet incrusté de diamants! J'ai cherché là-haut! J'ai cherché en bas. En haut et en bas. Mais il est introuvable. Introuvable. Comment je vais pouvoir finir ma dernière création si je ne retrouve pas mon ruban? Ne t'en fais pas, Rarity. Je suis ton amie et je vais t'aider à trouver ton... Le voilà. Curieux, c'est toujours quand on cesse de chercher qu'on trouve. Donc, en fait, tu avais perdu ton ruban. Mm-hmm. Mais là, tu l'as retrouvé. Exact. Et tu n'aurais pas un autre souci par hasard? Un grave problème qu'une amie pourrait t'aider à résoudre? Il y aurait une chose, oui. Laquelle? Je crois que j'ai laissé mon maître sur le tissu là-bas. Tu peux aller me le chercher? Ton maître. Tiens. Twilight? Quelque chose te tracasse? Twilight? Inutile de paniquer, je n'ai rencontré que Rarity. Une de mes autres amies aura besoin de moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Rainbow a l'air d'être en colère contre Applejack. Elle a l'air de lui en vouloir. Merveilleux! Rainbow Dash! Arrête! Écoute, Rainbow, je sais que tu es en colère contre Applejack, mais t'en fais pas. Quoi qu'il se passe entre vous, je suis certaine que Twilight, votre bonne amie à toutes les deux, est en bonne position pour résoudre ce problème. Mais de quoi est-ce que tu parles? Oh, Rainbow Dash, tu sais bien que tu peux tout me dire. On dirait que vous vous êtes drôlement disputées toutes les deux. Très bien. Tu devrais me raconter tout ce qui te tracasse à propos d'Applejack. Il n'y a rien qui me tracasse à propos d'Applejack. Ah non. Mais alors, pourquoi tu détruis sa grange? Parce qu'elle me l'a demandé. Pas vrai, Applejack? Bien sûr que oui. J'aimerais construire une nouvelle grange, mais il faut d'abord détruire l'ancienne. Allez, au travail, Rainbow. D'accord, patronne. Tu devrais te mettre à l'abri. J'arrive pas à croire que j'ai perdu autant de temps. J'aurais dû commencer par venir ici. Fluttershy est constamment en train d'essayer de surmonter ses peurs. C'est mon ami et je suis sûre que je pourrais l'aider. Fluttershy? Possible, il fallait que ce soit aujourd'hui qu'elle cesse brusquement d'avoir peur de tout. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu n'aurais pas dû attendre si longtemps pour venir. Tu es bien trop stressée. Tes épaules sont extrêmement tendues. Ça va aller. Tout va bien se passer. La journée n'est pas finie. Mais ça ne va pas tarder. Tout sera bientôt fini pour moi, mon séjour à Poneyville, mes études sur l'amitié. Non, non, tu es une bonne élève, tu peux y arriver. Oh, mais si, je n'y arrive pas. Mais si, il faut juste que tu tiennes le coup. Allez, tiens le coup. À qui est-ce que tu parles? À toi-même? Twilight.
Mais enfin, secoue-toi! Est-ce que ça va? Twilight, je m'inquiète pour toi. Cette histoire de lettres te monte à la tête. Tiens, prends ça. Tu es tellement angoissée que t'en as oublié notre pique-nique. Va donc te détendre et passer un peu de temps. Le pique-nique? Il faut que j'aille voir mes amis. Content de te voir reprendre tes esprits. Oh non! Dites-moi que je n'ai pas oublié les assiettes. Et si, je les ai oubliées, c'est sûr. Quand je pense aux choses horribles qui auraient pu se passer aujourd'hui, c'est la pire de toutes qui m'est arrivée. Oh, pourquoi? 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 Quoi? Vous ne croyez quand même pas que je vais m'asseoir sur l'herbe? Ça va, Twilight? Non, non, ça va pas. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qui a t'aidé? C'est vraiment affreux. Quoi? C'est trop affreux. Quoi? Il m'arrive quelque chose de terrible et j'ai vraiment, vraiment besoin de votre aide à toutes. Pourquoi? Je dois envoyer une lettre à la princesse Celestia aujourd'hui. Mais le souci, c'est que je n'ai rien appris sur l'amitié. Oh! Oh, j'ai eu peur. Je croyais qu'il se passait quelque chose d'affreux. Mais il se passe vraiment quelque chose d'affreux! Si jamais je n'écris pas cette lettre aujourd'hui, je serai en retard! En retard! Sans vouloir t'offenser, j'ai plutôt l'impression que tu te fais beaucoup de soucis pour rien du tout. C'est pas rien du tout! C'est tout pour moi, tout! Aidez-moi à trouver un poney qui a un problème à résoudre avant ce soir! Vous ne comprenez pas? Toute ma vie en dépend! Allez, c'est bon, viens t'asseoir et arrête de te faire du mouron. Waouh, c'est la première fois que je vois Twilight dans un tel état. Oh, elle en fait vraiment des tonnes. Enfin, tout est relatif. L'heure tourne, Twilight. L'heure tourne, oui. Secoue-toi. Si j'arrive pas à trouver un problème d'amitié, je vais créer un problème d'amitié. Salut les filles. Oh, salut Twilight. Comment ça va? Super, ça va super bien. Vous avez l'air d'aller bien aussi, vous trois. Vous avez l'air de trois amis qui n'ont absolument pas besoin de l'aide d'une autre amie. Voici madame, je sais tout. Je l'ai eue quand j'avais votre âge. Et maintenant, j'ai envie de vous l'offrir à toutes les trois. Elle a l'air super. Oui, génial. J'aime beaucoup sa crinière. Elle a même son propre cahier et sa plume. Comme ça, quand on joue, on peut faire semblant qu'elle est en train de faire ses devoirs. C'est... génial. Oui, génial. J'aime beaucoup sa crinière. J'espère juste que le fait qu'il n'y ait qu'une poupée et que vous soyez trois ne va pas poser de problème. Je n'aimerais pas que d'aussi bonnes amies que vous se disputent. Qui veut jouer avec elle en premier? Tu devrais commencer, Sweetie Belle, vu que tu aimes tant sa crinière. Non, 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 non. Je pense que c'est Scootaloo qui devrait jouer avec elle en premier. J'adorerais, mais vas-y toi, Applebloom. Applejack dit qu'il faut toujours partager. Faut que je trouve quelque chose. Réfléchis, Twilight, réfléchis. J'ai trouvé. Vous allez adorer, madame, je sais tout. Elle va devenir votre poupée préférée. J'aime beaucoup sa crinière. Allez, donnez-la, moi je la veux. Le sort, je la veux, je la prends, ça marche à tous les coups. C'est bon, arrêtez de vous battre.
bagarrer. Je crois que nous avons tout appris une leçon très importante sur l'amitié aujourd'hui. C'est mon coup. Arrêtez les filles. Vous êtes toutes amies, voyons. Vous pouvez partager, n'est-ce pas? Ma question. Big Macintosh, tu tombes bien. Il faut que tu m'aides à retirer la poupée des griffes de ces trois poneys. Ouais. Oh, merci, tu me sauves la vie. Tu veux bien me rendre ma poupée maintenant? Non. Oh non. Rends-la-moi. Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Elle se bat pour une poupée. C'est parce qu'elle est absolument géniale. Je peux pas! Annuler ça! C'est ma poupée! C'est la poupée! Donne-la-moi! Non! Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Vous entendez? Un champ de maïs en friche, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ne regarde pas! Ne regarde pas quoi? Ma poupée, je sais tout! Je lui ai jeté un sort et maintenant tous les poneys se battent pour l'avoir! Mais pourquoi lui as-tu jeté un sort? Il fallait que je fasse quelque chose! J'avais rien à raconter à la princesse Célestia! Comme je trouvais aucun problème à résoudre, je me suis dit que j'allais en créer un! La journée est presque finie! Non, elle est finie. Twilight Sparkle. Ouh là là. Rendez-vous à la bibliothèque. Adieu, les filles. Si vous me cherchez, je serai en maternelle à Canterlot. Mais pourquoi en maternelle à Canterlot? On ne va plus jamais revoir Twilight. Les filles, qu'est-ce qu'on va faire? Quand je pense aux choses horribles qui auraient pu se passer, et c'est la pire de toutes qui m'est arrivée. Non, mais cette fois, je suis sérieuse. Mais je dois vous envoyer une lettre sur l'amitié toutes les semaines. Et aujourd'hui, j'ai oublié. Je suis une mauvaise élève. Je suis en retard. Tu es une merveilleuse élève, Twilight. Je n'ai pas besoin de tes lettres pour le savoir. C'est vrai? Elle ne l'a pas fait exprès. Je vous écoute. Nous avons vu que quelque chose tracassait Twilight. Mais on pensait qu'elle se faisait sûrement du souci pour rien, votre majesté. Et quand elle est partie, toute énervée, aucune de nous n'a essayé de la retenir. Nous sommes les amis de Twilight. Nous aurions dû l'écouter plus attentivement et être là pour l'aider. S'il vous plaît, ne la renvoyez pas juste parce qu'on n'a pas fait assez attention à elle. On dirait que vous avez tout appris quelque chose d'utile aujourd'hui. Très bien. Je veux bien oublier la punition de Twilight, mais à une condition. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que vous m'écriviez toutes pour me raconter vos découvertes sur la magie de l'amitié. Mais si et seulement si vous en faites vraiment. Princesse Célestia, attendez. Comment avez-vous su que j'avais fait une bêtise? C'est ton ami Spike qui m'a prévenu que tu te laissais dominer par tes peurs. Je te recommande de prendre tes sentiments au sérieux. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner à Canterlot, car j'attends du courrier. Vous avez entendu la princesse? Spike, prends une lettre. Ahem.
Chère princesse Célestia, nous vous écrivons car nous avons appris quelque chose d'important sur l'amitié. Quand un ami est inquiet, il faut toujours le prendre au sérieux. Même si à sa place, on se ferait pas autant de soucis. Il ne faut jamais laisser son inquiétude se changer en problème. Un problème tellement énorme que toute la ville sombre dans le chaos et que la princesse elle-même doit venir tout résoudre. Signé, vos très loyaux sujets. P.S. Évidemment, Spike, lui, n'a rien eu à apprendre, étant donné qu'il est déjà le meilleur ami qu'un poney puisse avoir. Contrairement aux autres poneys, il a tout de suite réalisé que... bref, oublions ça. Ah.